Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du lien de la Paracha et l'Aftara de la semaine. Donc, nous sommes Parachat Vayeler et l'Aftara, c'est donc l'Aftara de Hoshea. Après, il y a des pasouks de Micha et de Yoel. Premièrement, déjà, il faut savoir que toutes ces Aftarot vont parler de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que, comme on sait, la Parachat Vayeler tombe bien sûr, tombe toujours avec la fête de Rosh Hashanah. Donc, premièrement, on voit dans la Paracha, par rapport à Rosh Hashanah, on voit qu'on parle de Rosh Hashanah et Kippour. De où on sait? Parce qu'on voit que toute la Haftarot, il parle de Teshuvah, comme bien sûr Rosh Hashanah et Kippour. Deuxièmement, pour la première Haftara qui est donc de Hoshea, on voit que Hoshea lui-même va demander à tout le royaume de Yehuda de faire Teshuvah. Donc on voit encore le lien de Teshuvah. Par rapport à Micha, dans la Haftara de Micha, on voit qu'on parle des 13 midot arachamim, des 13 tribus de miséricorde. Comme on le sait, c'est ces 13 attributs qui permettent de faire Teshuva. Donc on voit encore le lien de la Teshuva. Et pour finir, Yoel. Dans Yoel, on voit une des références, plein de passages, plein de références qui parlent de Rosh Hashanah et Kippour. Donc comme on a dit, le lien de la Parashat Vayeler avec toute sa Haftarot, c'est bien sûr le lien avec Rosh Hashanah qui tombe comme chaque année à côté de Rosh Hashanah. Shavua Tov à tous, et encore une fois, une très bonne année à tous. Gmar Hatima Tova, les Shana Tova, Umtuka. Nafshi.